expérience assez particulière et on va essayer de parler plus fort que la musique. Vous avez compris, il y a des répètes en face, c'est même pas la furieux. Donc en fait, la question, c'est que depuis des années, notamment les deux dernières années, la question de la neutralité du .NET et de sa retranscription dans la loi est une question qui est portée beaucoup par la communauté. Et en général, de comment on peut défendre les libertés individuelles et publiques sur Internet et dans la loi. Donc on sait que dès qu'il y a des lois maintenant qui passent au Parlement, quel que soit le sujet, il y a toujours un petit morceau pour essayer de dire « Ah oui, et puis il faudrait couper les sites Internet qui font ceci, qui font cela. Ah oui, et puis il faudrait mettre sous vision de la police ou d'un juge, ça dépend des fois, qui regarde quel site Internet et est-ce qu'on a le droit de donner les mêmes contenus à des gens qui n'ont pas payé la même quantité d'argent. » En fait, on voit que les morceaux de revendication d'Internet passent par des lois qui ne sont pas liées directement à Internet. Et ce qui fait qu'on se retrouve toujours dans des débats en négatif, et nous, on se retrouve dans la communauté, toujours à se battre contre des lois, et jamais dans un agenda positif de création de lois. Alors que pourtant, il y a eu des initiatives, notamment au Parlement européen, pour reconnaître l'importance de la neutralité du net. Donc on voulait avoir un débat peut-être un petit peu juridique, mais pour essayer de comprendre les enjeux, savoir de quoi on parle quand on parle de ça. Et donc c'est pour ça qu'on a appelé Bastien François, pour qu'il nous explique peut-être un peu donc, ce qu'il a pu lire sur le marché civil et voir qu'est-ce qui a été fait au Brésil et comment on peut comparer à les législations qu'on a au niveau français et européen. Est-ce que ça a du sens de parler de tout ça? On m'a demandé ça il y a quelques jours, hein. Je ne suis pas un spécialiste du tout de la question. Alors peut-être un tout petit historique, hein, c'est-à-dire que la première fois que le sujet est abordé, à ma connaissance, dans une constitution, c'est au Brésil, dans la constitution 88, où apparaît pour la première fois la notion de habeas data. La notion d'habeas data, c'est l'idée que tout le monde peut avoir accès, on doit pouvoir avoir accès à toutes les informations qui concernent chaque individu, et éventuellement demander à les modifier. Et éventuellement, dans d'autres versions, pas la version brésilienne, mais je crois argentine, la possibilité de même supprimer carrément cette information. Alors, il faut savoir que la constitution brésilienne de 88, c'est une constitution extrêmement longue, c'est la plus longue du monde, et ils ont constitutionnalisé des choses qui, d'habitude, sont de l'ordre de la loi, même le statut des pompiers dedans, enfin, des choses comme ça. Je vais y reviendrai après, parce que savoir à quel niveau on met la norme, c'est très important. Ça a plutôt pas très bien marché jusqu'à une loi de 97, c'est-à-dire 9 ans après, qui a essayé un petit peu d'organiser ça. J'ai lu la loi, je l'ai lu il y a deux jours, hein. Elle est franchement imbitable. Alors, c'est pas simplement imbitable parce qu'elle est en portugais, bon, mais franchement c'est extrêmement compliqué, c'est-à-dire des lois, enfin des questions procédurales extrêmement compliquées. Bon, ça c'est l'accès aux données. C'est la question de l'accès aux données, c'est une autre question. Mais c'est une question extrêmement importante. Hein. Aujourd'hui, tout le monde va avoir, on va être connecté en permanence. Je ne sais pas, il y a des gens qui ont des machines qui prennent leur tension, leur taux de glycémie. Enfin voilà, on va être de plus en plus connecté avec des machines. Bon, et donc la question de savoir où sont ces données, où est-ce qu'elles sont stockées, comment elles circulent, etc. Alors ça, c'est une question d'ailleurs qui a été abordée dans le droit européen. Mais on a commencé par. Et puis il y a cette loi d'avril 2014 qui porte essentiellement sur deux points. Sur la neutralité du net au sens où, et ça c'est très important, au sens où tout le monde doit pouvoir y avoir accès de façon égale. C'est le principal sens qu'il y a dans la loi. Et la question de la responsabilité des fournisseurs d'accès en les, en quelque sorte, déniant de l'accès lié au contenu. Et donc, en leur disant, c'est pas à vous de faire la police de ces contenus, sous la réserve, bien sûr, que s'il y avait des comportements délictueux, etc., enfin, toute une série de choses, un juge pourrait organiser la police de ces contenus, leur interdiction, éventuellement, des sanctions contre les fournisseurs d'accès qui ne mettraient pas en œuvre les mesures visant à supprimer des contenus. Type négationniste ou pédophile, enfin, tout ce que vous voulez. Ou des violations, tout simplement, de la vie privée. C'est ce cadre-là. Alors, la vraie question, c'est, pour moi, hein, parce qu'on m'a dit de réfléchir en tant que juriste, c'est deux questions. C'est à quel niveau de la hiérarchie des normes on met ce problème-là,
Et ensuite, est-ce qu'il faut une législation spécifique sur les questions du numérique? Au niveau de la hiérarchie, les choses sont, on peut les, c'est technique, hein, bon, mais on peut le dire extrêmement simplement. Quand vous mettez dans la Constitution, ça veut dire que la loi doit respecter la Constitution. Si vous mettez en dessous de la Constitution, ça veut dire qu'une autre norme législative peut être contradictoire ou être contraire, mais à ce moment-là, c'est un juge qui devra faire un arbitrage éventuellement, hein, mais il n'y aura pas la possibilité de contester le contenu même de la loi au regard d'une norme supérieure. Quand vous mettez des choses dans une Constitution, d'abord c'est plus compliqué que mettre dans une loi, c'est normal, c'est la procédure est plus compliquée, et c'est plus compliqué aussi de modifier le contenu, mais vous avez vraiment intérêt à ne pas mettre trop de détails. Vous avez intérêt à ne pas mettre trop de détails parce que d'abord, un, les juges interprètent toujours, et plus vous en donnez aux juges, plus ils vont interpréter, si vous pouvez contrôler le contenu. Bon. Et puis, vous avez intérêt à ne pas mettre trop de détails parce que les problèmes qui se posent aujourd'hui, on ne sait pas du tout si ça sera les problèmes qui se poseront demain. C'est-à-dire que les problèmes liés au numérique, liés aux données qui circulent, liés à leurs usages, liés, etc. Bon, il y a des problèmes qui apparaissent tous les jours. Les principaux problèmes liés au numérique, il y a 30 ans, on ne les maîtrisait pas dans les formes d'aujourd'hui. Donc il ne faut pas trop en mettre. Les libertés, les droits fondamentaux, ce qu'il faut. Nous vivons encore aujourd'hui essentiellement sur des droits fondamentaux du 18e siècle. Et disons du milieu du 19e, du 20e, je veux dire. Bon. Et c'est très largement suffisant pour la plupart des cas. C'est-à-dire qu'on peut tirer de ces droits toute une série de choses, en particulier du principe d'égalité. On peut tirer toute une série d'interprétations. Donc, je crois qu'il faut faire un petit peu attention. Je dis peut-être de façon contre-intuitive, vous dites que le juriste va dire qu'il faut faire du droit. Non. Je vous dis qu'il faut faire attention à ne pas mettre toujours trop de droits. Il faut en mettre un petit peu et au bon endroit. Et c'est ce que font les Brésiliens d'ailleurs. Alors, je ne suis pas sûr qu'ils y réfléchissent, mais ils ont mis l'habeas data dans la Constitution, c'est-à-dire le principe de l'accès, hein, et ils ont mis la liberté, la neutralité dans la loi, c'est-à-dire à un niveau infraconstitutionnel. Il faudrait voir ce que ça donne, la jurisprudence, etc. etc. Hein, ouais. Mais je pense que c'est une bonne hiérarchie. Pour moi, la question essentielle en tant qu'écolo, je vais vous dire, elle sort un petit peu de ce schéma, c'est, si on réfléchit un petit peu à la neutralité d'Internet, la loi brésilienne ne dit pas Internet va appartenir à l'État brésilien, ou Internet va être un service public. Elle dit à peine, à la différence de ce qu'a dit notre ami argentin, elle ne dit pas il faut que les entreprises soient sur le territoire brésilien. Non, elle dit il faut qu'il y ait des filiales, il y a lesquels on peut appliquer des sanctions. C'est pas du tout la même chose. Mais la question c'est, qu'est-ce que ça veut dire l'égalité d'accès à Internet quand Internet est régulé par un marché en réalité? Que derrière il y a des intérêts économiques, il y a de la publicité, il y a enfin toute une série de choses. Et c'est là que nous, on devrait réfléchir à quelque chose de plus large, je le jette un peu dans le débat, mais c'est une question, un mot un peu valise qu'on trouve. Chez nous, c'est la question, finalement, la neutralité d'Internet, c'est une sorte de bien commun. Et notre vrai problème à nous, c'est de construire la notion juridique de bien commun. C'est-à-dire faire une notion juridique de bien commun très large. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement le problème du droit fondamental, c'est en particulier le problème de notions qui vont vieillir, la crise écologique, la question de la propriété, par exemple, hein, ou la question du service public. Qu'est-ce que ça veut dire l'accès universel et égal à l'information quand pour ça, il s'agit des opérateurs privés sur un marché qui régule ces informations? Alors évidemment, ce qu'on peut faire, ce que font les Brésiliens, et je ne pense pas que ce soit l'enjeu principal, c'est d'empêcher l'État de faire de la censure, d'empêcher l'État lui-même, la puissance publique, de faire cette régulation différenciée ou faire de la censure. Mais on sait très bien que ce n'est pas d'abord l'État qui va faire ça. On sait très bien que le vrai enjeu, c'est d'avoir des clients d'Internet plus ou moins riches, plus ou moins capables de payer du débit, plus ou moins capables d'avoir des systèmes pour diffuser de l'information, etc. Ou de la donner, ou de les stocker, ces données, et de les vendre, etc.
Donc je crois qu'un des enjeux, mais qui est très intéressant, qui est posé par les libertés numériques, c'est un des enjeux, c'est cet enjeu du bien commun. Alors effectivement, après, la question se pose à quel niveau il faut l'inscrire. Je pense qu'il faut l'inscrire au niveau, évidemment, à l'écrire, hein, au niveau constitutionnel. Il faut évidemment l'inscrire au niveau européen, parce que ça n'a plus de sens. Avec la difficulté particulière de l'Europe, c'est que l'Europe fonctionne comme si elle avait une constitution, mais juridiquement c'est un traité, ce qui suppose que tout le monde soit d'accord. La différence entre un traité et une constitution, c'est assez important, hein. Une constitution, il suffit qu'il y ait une majorité même qualifiée pour la modifier. Un traité, c'est comme un contrat, hein, comme un bail. Si vous voulez modifier le bail de votre appartement, il faut que le propriétaire et vous-même soyez d'accord. Mais c'est le problème de l'Europe, de l'Union européenne, c'est que ça fonctionne comme si il y avait une constitution, juridiquement, avec un juge qui applique un texte de nature constitutionnelle. Mais pour le modifier, ce texte, il faut que tout le monde soit d'accord. Et c'est là que ça devient très compliqué de faire passer des normes de cet ordre-là au niveau constitutionnel européen. Par exemple, pour effectivement mettre dans la charte des droits fondamentaux européens, ça n'y est pas, des choses qu'il y a dans la constitution brésilienne. Mais pour ça, il faudrait faire un traité. Et là, je ne suis pas certain qu'on y arrive. Donc oui, la question se pose de l'inscription dans le droit. Je pense que pour le moment, l'essentiel des droits fondamentaux à notre disposition permet de régler beaucoup des problèmes qui existent. Après, peut-être ce qui manque, c'est une législation cohérente et unique. Comme tu le disais à l'instant, il y a des petits bouts à telle occasion, on fait la topie, on fait bidule, et là, des choses comme ça, on met des petits morceaux, mais il n'y a pas une loi cohérente pour qu'on puisse renvoyer, que les juges appliqueraient de façon claire. Ça, c'est évident, mais ça, à la rigueur, c'est à nos parlementaires de travailler sur le sujet. Et puis, de façon plus large, je crois qu'il va falloir inventer un nouveau mode de penser de l'intérêt général, que beaucoup de gens commencent à appeler bien commun au pluriel ou au singulier, il y a des gros débats là-dessus, et dans lesquels, évidemment, il y aurait cette question nouvelle et cruciale dans le monde dans lequel nous sommes, qui est ce rapport à l'information et à ses modalités de circulation. Juste là, je passe la parole à Sergio. Merci. Est-ce qu'il y a un monde énorme qui est lié quand on se penche sur la réalité brésilienne, l'Argentine, dans les années 80, c'était Suez. C'est les années post-dictature, effectivement, on a eu le souci, la volonté de constitutionnaliser toute une série de garanties juridiques. Des sociétés qu'elle est connue 10 ans, 20 ans de dictature militaire pour l'un et l'autre des pays cités. Et en même temps, il faut savoir aussi que ce sont des pays qui ont une grande imagination juridique, une grande facilité à changer les normes. Hein. L'Argentine est en train de procéder à un changement d'ensemble du code civil qui va avoir lieu dans l'année qui vient, sans trop de difficultés d'ailleurs, comme ils ont pu d'ailleurs adopter une loi de transition. De changement d'état civil pour les personnes transgenres sans que ça pose de grandes difficultés en bouleversant totalement leur code civil. Donc c'est à la fois étonnant et tout à fait enthousiasmant du point de vue juridique. Alors moi en l'occurrence, moi je m'intéresse aux questions d'Internet, j'appartiens à la commission des lois qui est la commission souvent qui est confrontée, parce qu'elle traite la plupart des projets de loi qui arrivent au débat de l'Assemblée nationale, comme l'a dit tout à l'heure Bastien et comme l'avait dit Fred également, ces visions parcellaires, partielles en fait, qui dans un article, dans deux articles, dans trois articles, viennent bouleverser de manière parfois contradictoire d'ailleurs la relation du législateur et du citoyen à l'Internet dans des textes de loi qui ont sont d'intérêts divers. Hein. On a dernièrement parlé des libertés numériques et de la neutralité du net dans la loi sur la prostitution, dans la loi de programmation militaire, dans la loi de consommation, dans les lois qui les textes qui ont attrait à la culture, dans la loi sur le terrorisme également. Il y a un constat à la fois général, hein, depuis le 11 septembre 2001, vous le savez, il y a une tentation très répressive, de contrôle, de régulation beaucoup plus tenue.
de cet espace de liberté, donc qui, avec des tentatives parfois fructueuses, s'attaquer à la neutralité de l'Internet. Puis également en fait en France, prendre d'inconséquences en fait avec une succession de textes, ça a commencé avec Adopi, mais surtout l'OPSI 1 et l'OPSI 2 en fait, qui sont les textes qui ont essentiellement traité de ces questions-là sur l'Internet. Et franchement, on n'est pas totalement bien protégé de cette tentation-là, parce que je voyais le programme en fait. Parce que comme je suis arrivé un peu à la bourre, je ne comprenais pas tellement l'organisation de nos travaux et de nos débats aujourd'hui. J'avais eu le temps de jeter un coup d'œil sur les différents débats sur l'Internet dans les aujourd'hui d'été, et je voyais qu'on est aussi victime de l'air du temps. Il y a un atelier qui a lieu sur la gravité de la diffamation sur Internet, comme si au fond, diffamer sur les réseaux sociaux était plus grave et plus dangereux que de le faire dans les vies réelles. Et donc il fallait des circonstances aggravantes, des pénalités plus grandes, des peines de... Bref, et peut-être même se passer du recours au juge judiciaire dans ces questions-là. Donc on doit aussi, nous, faire attention pour que le débat ne soit pas ni un débat technique, ni un débat entre initiés. Et je crois, moi, ça a été un peu ma méthode d'intervention dans ces débats-là à l'Assemblée nationale. D'abord, de refuser la tentation technicienne. Moi, je ne suis pas ingénieur, je ne suis pas programmateur, je ne suis pas geek non plus. Je me sers des réseaux sociaux comme un citoyen un peu lambda. Et en même temps, je suis quelqu'un qui, sur les questions des libertés fondamentales, des protections des libertés-là, a un regard particulièrement aigu. Sans doute pour avoir être né et avoir grandi sous deux dictatures, ça aide hein, à être très sensible à ces questions-là. Et puis, parce que je pense que c'est des questions qui ne sont pas techniques, c'est des questions de politique. Donc, je suis intervenu effectivement à la fois en dénonçant ce que j'appellerais simplement des restrictions de nos libertés, en fait, sous couvert de protection, de lutte contre le terrorisme, de lutte contre la diffamation, de lutte contre le proxénétisme. Et puis en mettant aussi le doigt sur des contradictions qui me paraissent totalement flagrantes et auxquelles le législateur ne fait pas très attention. Enfin, essaye de ne pas faire trop attention parce qu'il se rendrait compte en fait du manque de réflexion, de distance par rapport à ces questions-là dans sa réflexion. Et je prendrais pour exemple le texte de loi qu'on va débattre à la rentrée sur le contre le terrorisme et son article 9 sur la nécessité d'aller toujours plus vite dans l'interdiction de certains sites et donc de se passer du passage devant le juge judiciaire et d'essayer d'avoir recours à la justice administrative. Et souvent l'exemple qui nous est donné, c'est, vous comprenez, la lutte contre le terrorisme, c'est un peu comme la lutte contre la pédopornographie, c'est aussi grave, c'est tellement terrible qui nous attend. Et donc il faut faire un peu de la même façon qu'on a fait avec la pédopornographie, à la fois se passer du judiciaire et finalement cibler très largement les suspensions, l'accès à certains sites. Sauf que, pour l'occurrence, la pédopornographie est un bon exemple parce que justement, on n'a rien fait. On a défini dans la loi en fait, la nécessité de lutter contre les sites pédopornographiques, comme s'il existait des sites pédopornographiques. Quand on s'attarde un peu sur la question, on se rend compte qu'il n'y a pas de site pédopornographique, il y a des sites d'échange de fichiers codés, cryptés. Donc, il n'y a pas de site pédopornographique, contrairement à ce que la propagande de certains médias veulent nous faire croire. Et puis d'autre part, il y avait nécessité, évidemment, pour rendre la loi applicable, de décrets d'application qui ne sont jamais sortis depuis plus de 3 ans et qui ne sortiront probablement jamais. On s'est aperçu effectivement que même ces sites d'échange de fichiers, c'était compliqué de les suspendre, puisqu'il y a des sites miroirs, et donc il y avait une tentative de suspension. On avait dû affronter la multiplication par 35 de ce site-là en site miroir. Et donc voilà, et que l'expérience australienne aussi avait démontré que quand on fait du ciblage comme ça de masse, on s'aperçoit qu'au fond, on finit par interdire ce qu'on n'avait pas prévu. Et un autre bon exemple, il y avait au moment du débat sur l'OPSI 1, l'OPSI 2, moi je m'étais simplement contenté de me pencher sur le cas de l'Assemblée nationale, qui est une institution vénérable, mais où on a décidé pour les députés
que des majeurs libres et consentants ne pouvaient pas avoir accès à des sites à caractère pornographique. Moi, j'ai toujours considéré que puisque la pornographie n'est pas interdite, je n'ai pas à juger que quelqu'un, un collègue, une collègue ou moi-même même, puisse y aller. Voilà, ça relève de la liberté de chacun, on passe son temps comme on peut. Et donc je m'étais simplement aperçu que ce filtrage administratif qui avait été mis en place par l'Assemblée nationale n'interdisait pas simplement l'accès à des sites à caractère pornographique, mais interdisait par exemple l'accès à des sites d'information, interdisait l'accès à des sites de mobilisation, parfois sur des sujets qui n'avaient rien à voir, sur les crèches, sur le droit des femmes. Et donc ce ciblage-là était extrêmement nombreux et très pernicieux finalement. Parce qu'au fond, il pouvait être contourné très facilement quand on a la volonté d'avoir accès à des sites à caractère pornographique, quand on s'en s'attardait tout à quoi. Mais par exemple, quand on souhaitait avoir les parcours de manifestation, les tracts, les publications qui avaient été faites pour appeler à une mobilisation, on se rendait compte finalement que ce contrat administratif était une barrière qu'on n'avait plus à franchir. Donc ça dépassait très largement la mission qui lui avait été assignée sans que personne ne s'en préoccupe réellement, c'est-à-dire que l'Assemblée était victime d'un contrat de censure, alors même qu'elle est censée être le cœur même de notre démocratie. Donc voilà, moi c'est les questions qui m'animent. Et je suis intervenu dans ce sens-là, de manière systématique sur l'ensemble des projets de loi qui pouvaient représenter un danger. Alors, il y a eu une prise de conscience un peu de l'Assemblée nationale et du corps des parlementaires, parce que le ridicule ne tue pas, mais à la fin, on commence à se rendre compte qu'on traitait des textes de loi qui disaient le contraire les uns des autres, qu'on avait aboli le filtrage administratif dans la loi sur la consommation, qu'on rétablissait sur le projet de loi sur la prostitution. Donc, certains de gens qui s'étaient quand même rendu compte de ces va-et-vient un peu contradictoires. Et donc, il a été mis en place une commission, en fait, composée de 26 membres, dont je fais partie, en représentation du groupe écolo, donc co-présidée par un parlementaire, Christian Paul, qui est quelqu'un qui suit ces questions-là depuis un certain nombre d'années, qui s'est un peu moins mobilisé qu'il n'avait été en première ligne dans les années passées, en fait, et par une magistrate ancien atelier également, assez spécialiste des questions des droits d'auteur, du droit de l'information, et qui doit rendre en fait ses conclusions au printemps 2015. Donc c'est un peu les libertés à l'âge du numérique. Donc ça traite un peu toutes les questions qu'on a évoquées un peu en vrac. Je dirais qu'on devrait quand même en partie s'inspirer du Brésil, parce qu'avant le vote du Marco Civil sur l'Internet et la neutralité du net, et je voudrais conclure là-dessus, il y a eu en fait, non pas comme ça a été dit tout à l'heure par l'intervenant argentin, 5 ans de mobilisation, mais bien 7 ans en fait. À partir de 2007, il y a une très très grande mobilisation dans la société brésilienne, de débat en fait, parce que l'organe de régulation pèse un poids beaucoup plus important que ne pèse en France par exemple le Conseil national du numérique. À partir de 1995, l'instance de régulation de l'Internet au Brésil doit se confronter des points de vue très différents du monde universitaire, de la classe politique, des fournisseurs d'accès, des geeks, de la société numérique un peu alternative. Et ça fait un débat public, de société, de très grand niveau, mais très porté par la société dans son ensemble. C'est ça qui, moi, m'étonne souvent. Je disais tout à l'heure à Francine, avant de monter ici, qu'on est un des sociétés en fait, qui était très en retard sur ces questions d'équipement Internet et tout ça, et qui ont toujours une fracture numérique impressionnante. 50% des Brésiliens n'ont pas accès à Internet, mais en gros, ceux qui ont accès ont basculé très facilement dans l'ère numérique. Et je m'évoquais tout à l'heure en disant que Cécile Duflot, elle serait presque un petit nain du numérique au Brésil ou même en Colombie, qui a 45 millions d'habitants, parce que n'importe quel responsable politique un peu connu en Colombie est suivi par 300 ou 400 000 personnes. Quoi, hein. Donc on est tout petit. Comment ? Non, il y en a 45 millions, pas en Colombie. Donc, et la plupart des gens qui sont ministres ou qui sont un peu connus sont suivis par 700 ou 800 000 personnes
sur Twitter par exemple. Donc on a une effervescence très, très importante de prudence en France, et ces débats-là concernent, en tout cas cette partie de la société qui est connectée, la concerne au premier chef, et les gens y participent. Donc il y a une mobilisation qui a duré 7 ans, et je pense que si on arrive, parce que je vois un peu la tournure que prend cette commission, et notamment l'avis qu'elle a rendu sur l'article 9, un des articles un peu polémiques du projet de loi sur le terrorisme qui réétablit le filtrage administratif. C'est un avis plutôt négatif sur l'article lui-même, très en retrait par rapport à ce qu'on aurait pu faire, par exemple, au Conseil national du numérique. Donc, je crois qu'une des utilités de cette commission, c'est de permettre qu'une fois ces conclusions rendues, on puisse appeler un grand débat public, en fait, qui ne se limite pas simplement à quelques parlementaires ou à des personnalités connues ou compétentes sur ces questions-là, mais qu'on puisse animer sur 2-3 ans un vrai débat, parce que moi, je ne suis pas sûr qu'il faille réfléchir à cette question comme des questions spécifiques à l'Internet. C'est, au fond, de notre contrat social, à l'ère numérique, parce que désormais nos sociétés vivent à l'ère numérique, de protection de nos libertés, des données personnelles, et même d'économie au sens le plus large. Comme tu le disais tout à l'heure, la question des données personnelles, c'est la question de la richesse de demain avec des traces que nous pouvons laisser dans l'espace numérique. Voilà, moi, ce que j'avais à dire, avec une invitation quand même que je voudrais faire ici de manière solennelle et publique, donc, à participer avec les écologistes à la mise en place d'une instance au moins de suivi de cette commission pour que celles et ceux qui, dans le mouvement écolo et dans le peuple de l'écologie, comme on a coutume de dire, ont envie d'être associés à cette réflexion-là, et puis de faire porter quelques points de vue, quelques opinions, quelques convictions, ça puisse se faire en bonne intelligence. Moi, je n'ai pas d'expertise particulière, si ce n'est l'intérêt que ces questions-là suscitent chez moi depuis quelques années. Voilà. Merci beaucoup. On n'y comprend rien. Et pourtant, dans ce Parlement européen, s'il y a bien un grand ami, notamment le grand défenseur des protections, de la protection des libertés et des droits sur Internet, c'est bien le Parlement européen. Et pourquoi je dis ça? Parce que le Parlement européen, notamment dans l'ancienne mandature, a montré à quel point c'était un véritable lieu de démocratie. Lorsqu'on parle du droit sur Internet ou des libertés numériques, ce ne sont pas la liberté, ce ne sont pas des confrontations des partis. Et là, je te rejoins sur ce que tu dis. C'est la défense de la démocratie et défendre le bien commun. Pour illustrer ce que je vous dis concrètement, le Parlement européen a eu un rôle crucial pour émettre justement dans le débat public certains sujets dont on ne parlait absolument pas. Premier exemple, 2008 arrive au Parlement européen un gros paquet technique qui s'appelle le paquet télécom. Et quand on regarde le paquet télécom, on regarde le truc, alors c'est hyper technique, mais on comprend que derrière, il y a tout le développement des réseaux Internet, de la distribution, notamment de la communication électronique. Il y a tout ça, et pendant que les institutions européennes se penchent sur ce paquet, notamment télécom, et bien la France, parallèlement, elle travaille sur la loi Hadopi. Et elle met en place notamment cette fameuse liposte graduée qui sera à un moment, il faut le dire, adoptée en 2009, et que ce projet, quand il arrive avec une vision européenne où il y a une phrase qui dit dans ce projet, on autorise des autorités administratives à couper l'accès à Internet à des personnes qui n'auraient pas fait du peer-to-peer ou échangé des fichiers, etc. Là, il y a eu soulèvement de parlementaires européens en disant « Qu'est-ce que c'est que ce délire ? Depuis quand une autorité administrative se permettrait de couper l'accès à Internet à des citoyens
européens et notamment français. Et à partir de là, et ben justement, on a créé dans ce Parlement et au sein notamment du groupe des Verts, ce qu'on appelle un Internet Core Group. Ce sont des députés européens qui vont se pencher essentiellement sur ces questions. Et donc, comme on était encore dans la discussion du paquet télécom, ils vont mettre en place notamment un amendement. Cet amendement, ce sera l'amendement 138, qui va dire qu'il est hors de question de couper l'accès à Internet si notamment il n'a pas l'accès à un juge. D'où l'arrivée du juge dans la loi Hadopi, qui auparavant n'existait pas. Ça, c'est la première preuve que le Parlement européen, sur ces questions notamment de liberté numérique, c'est pas possible d'empiéter sur ces libertés-là. Et donc, le Parlement européen appuie sur ces questions-là. Ça, c'est le premier exemple. Deuxième exemple, très concret. Au moment... Alors là, ça va être une... Il y a censure, là. Un peu fort, la musique, là. Au moment de 2009, qu'est-ce qui se passe? On apprend qu'il y a un accord caché qui est en train de se négocier avec des grands puissants, les États-Unis, le Japon et d'autres, tout ça sur le dos des citoyens, et notamment un traité qui visait, alors un grand nom, alors ça s'appelle un traité commercial contre la contrefaçon. Mais derrière, quand on regarde dans ce traité, justement, il n'y a pas juste la question des médicaments, la question des semences, il y a la question des brevets, il y a la question de la propriété intellectuelle, il y a la question du logiciel libre. Et notamment, vous savez ce nom-là, c'est le traité ACTA. Et malgré, justement, et c'est là la force du Parlement européen, malgré toutes les belles paroles des chefs d'État et de la Commission européenne, grâce notamment à des geeks, grâce aux geeks, grâce à des lanceurs d'alerte qui, justement, ont fait fuiter ces documents, ont fait en sorte de regarder ce qui est en train de se négocier dans votre dos. Et bien là, il y a eu une mobilisation citoyenne. Une mobilisation citoyenne telle que même les plus conservateurs des députés européens qui sont des défenseurs de la propriété intellectuelle, qui font en sorte que lorsqu'on télécharge, il faut punir. Même ces gens-là ont montré à quel point, justement, tu as raison, Sergio, qu'un débat qui s'appelle ACTA, qui paraît très technique, peut être accessible par une mobilisation citoyenne, mais surtout par des organisations connectées, parce qu'au niveau de l'Union européenne, c'est ça sa force. Combien de réseaux européens de geeks qui sont toujours en mouvement, qui regardent dans tous les textes, dans toutes les commissions, quelle va être la phrase qui ne va pas remettre en cause notamment les libertés numériques. Et donc, la Commission européenne, elle est sur le fait accompli au point que le Parlement européen, face à ce traité, est obligé de donner des informations parce que le traité de Lisbonne dit le droit à l'information est obligatoire. Et à partir de là, cette naissance de mobilisation va permettre la grande victoire de la fin du traité ACTA. Et là, juridiquement, c'est important ce que je vais vous dire. Tout traité international peut être conclu entre le Parlement européen et le Conseil. Si le Parlement européen dit non, on rejette le traité, il n'y a pas de traité, donc il n'y a pas d'accord. Et c'est là où, durant des mois, avec des petites mains de travail, c'est la victoire des citoyens, c'est la victoire notamment d'un travail, non pas de techniciens, mais de vulgarisation, parce que les enjeux derrière, ils sont énormes. C'est l'intelligence collective contre les puissants. Les puissants, c'est qui derrière? C'est les lobbies.
Et je vous assure qu'au Parlement européen, ils sont très, très, très forts. Sauf que le Parlement européen, les élus, lorsqu'ils voient des mouvements de masse citoyens, eh ben, ils ont tendance à les écouter plus que à l'Assemblée nationale ou au Sénat. C'est ce qui est extraordinaire. Une autre nouvelle, justement, par rapport... Parce que je sens que tu m'attends sur le taffeta. Voilà. Mais ça, c'est pour une information qui est importante. Le 3 avril dernier, le Parlement européen a demandé, de manière assez indépendante, qu'il fallait protéger l'ensemble des libertés numériques pour la première fois. Il a demandé aussi la neutralité du net. Et ça a été voté à la majorité. Et il a voté un amendement qui est dans un rapport qui est aujourd'hui à l'unanimité, l'accès égalitaire à toutes et tous sur Internet. Ce qui est assez extraordinaire. On a ce texte-là aujourd'hui. Mais malheureusement, et c'est ce que tu dis très bien, Bastien, c'est que le Parlement l'a voté. Et il arrive là, en septembre, chez les chefs d'État. Donc il faut commencer à mettre la pression, notamment aux chefs d'État, notamment un qu'on connaît bien, qui s'appelle François Hollande, pour voir s'il va taper du poing sur la table pour faire avancer, notamment, ce plan d'action. Pourquoi ? Parce que dans ce plan d'action, et c'est là que le Parlement européen est important, derrière, c'est le pendant de l'ensemble des sujets qui vont dynamiser nos sociétés du 21e siècle. Le droit d'auteur, le droit à la propriété, la reconnaissance des données, tout ça, ce sont tous des projets qui vont arriver d'affilée. Et entre-temps, il y a le fameux problème du TAFTA. Le TAFTA, qu'est-ce que c'est ? Je pense que tout le monde est un peu au courant. Levez la main. Tout le monde est au courant, c'est super. Mais je vais ramener deux, trois trucs très importants. La première chose, c'est que maintenant, la Commission... Bravo, hein, super, hein, vous suivez. La première chose, c'est que la Commission ne l'appelle plus TAFTA. Pourquoi ? Parce que pour elle, TAFTA, ça fait rappeler ACTA. Et comme c'est un traité de libre-échange encore à huis clos entre les États-Unis et l'Europe, elle a changé de nom. Maintenant, les chefs d'État appellent ça TIPP. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire le traité de libre-échange, mais pour plus d'investissement. Parce que pour eux, derrière, il y a quoi ? Non pas une volonté d'harmonisation des normes et des règles juridiques sur l'environnement, le social, la démocratie ou même sur l'accès à Internet, etc. Mais une baisse des normes. Ce sera le moins-disant social, le moins-disant démocratique, le moins-disant environnemental. Et sur ça, ils ont décidé d'appeler ça maintenant TIPP. Ils ne parlent plus de TAFTA. Donc nous, citoyens, il faut qu'on matraque encore le mot TAFTA. Oui, le traité transatlantique, c'est un traité de libre-échange. On veut faire de nos vies un grand marché et tout est marchandisation. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui est importante, c'est que la Commission européenne, ni vue ni connue, parce que c'est elle qui négocie ce traité avec les autres États, a repris ce qu'il y avait dans ACTA et l'a réinjecté dans le TAFTA. Ni vu ni connu. Et c'est là la dangerosité. Parce que dans le TAFTA, il y a une remise en cause totale de l'ensemble des libertés numériques. Et donc je vais terminer là parce que je ne vais pas. Autrement, il n'y aura pas de débat et moi je peux parler des heures. Mais la volonté, et moi je fais un grand appel. Il faut absolument. Nous sommes dans les derniers mois de mobilisation, de négociation sur ce fameux TAFTA. La France
la France, le premier rendez-vous que M. Hollande a eu avec M. Obama, la première chose qu'il a dite à Obama, c'est « Vite, 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 il faut accélérer les négociations parce que derrière, on nous fait croire quoi ? Qu'il y a de la croissance. » Et même le commissaire, M. Gürt, a reconnu lui-même que c'était faux. Alors tout le monde dit « ça va créer des millions d'emplois, vous vous rendez pas compte, etc. » 0,5% de croissance. Toutes les études montrent que ce sera 0,006% de croissance jusqu'à 2027. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, donc il faut faire pression au gouvernement français. Et là, je demanderai aux députés nationaux de faire en sorte que dans ces négociations, Fleur Pellerin ne soit pas aux côtés des puissants, notamment des lobbies numériques qui poussent pour que cet accord se fasse, et qu'au contraire, qu'on en fasse un débat démocratique. Il n'est pas normal que ce traité soit fait dans le dos des citoyens. Ensuite, une autre chose, c'est que dans ce traité TAFTA, l'Europe est très, très, très mobilisée sur la consultation, notamment des citoyens et des organisations. Et quand on regarde le TAFTA, pour la première fois, quand on a vu les consultations, il y a eu 130 consultations publiques. Sur les 130 consultations publiques, 119 sont qui ? Eh bien, ce sont des grandes firmes ou des multinationales. Donc, il faut absolument faire en sorte que la voix des citoyens se fasse entendre par la mobilisation. Moi, j'ai vu que dans plein de régions françaises, les écolos avaient porté des vœux dans des mairies où on dit qu'on est contre TAFTA, etc. Là, c'est pareil. Il faut se mobiliser pour dire non à TAFTA. Et une dernière chose. Si le TAFTA, c'est le fils, moi je le dis, légitime des lobbies et des firmes, parce que c'est bien eux, la gravité de ce traité, c'est la création d'une nouvelle juridiction, des autorités spécialisées, justement, qui vont donner une juridiction, une justice privée, qui sera beaucoup plus forte que notre propre juridiction nationale. Vous vous rendez compte ? Ça veut dire que demain, si Google, par rapport à des petits jeunes qui font du logiciel libre, se met en concurrence parce qu'ils inventent des nouveaux justement dispositifs et des nouveaux outils, Google dira « Oh oh, mais moi je peux les saisir. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ? Ils sont en concurrence directe avec moi, donc je peux les traîner devant ce tribunal spécial. » Et bien ça, il faut dire non. Le mot d'ordre lorsqu'on parle notamment des libertés numériques, c'est la question des droits pour toutes et tous, mais c'est surtout la défense du bien commun. Donc je vous attends sur la mobilisation du traité TAFTA, parce que oui, tout le monde parle des OGM, parle du gaz de schiste, etc. Mais n'oublions surtout pas les libertés numériques qui sont incorporées, notamment dans ce traité. Et je vous remercie. Je trouve que les problématiques qui sont soulevées ont souvent un temps de retard avec la réalité informatique que nous vivons. Et la réalité informatique que nous vivons, c'est 84% des terminaux qui sont vendus en 2014 sont sous Android. Et sous Android, vous avez un terminal qui est confié à un utilisateur dont il n'a pas les droits d'administration. Moi, j'aimerais très, très clairement qu'on puisse légiférer là-dessus en disant quelqu'un, une société qui vend un terminal où l'acheteur n'a pas les droits d'administration n'est pas propriétaire réellement de son terminal. Et je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais c'est quand même énorme de dire que si vous n'avez pas les droits d'administration, vous ne faites pas ce que vous voulez avec votre terminal. Et c'est le Google, en l'occurrence, pour le système Android, qui peut faire lui ce qu'il veut.
Donc ça, à ce moment-là, c'est lui qui est responsable, à minima. À minima. Mais donc, il y a toute une astuce, parce que pour goûter, pour devenir administrateur, on est obligé de faire des incartades, on perd tous les droits, etc. On n'a pas de problème. Moi, je voudrais quand même que ça soit défini dans la loi, que si on achète un terminal informatique, on puisse au moins en être administrateur. Voilà, c'est ça que je voulais demander aux législateurs. Merci. On travaille sur les éléments de langage pour bien se démarquer par rapport à la mobilisation contre le Tafta du Front National. Parce que dans ce que j'ai rencontré, moi, sur les marchés, il y a un doux mélange et ça me gêne vite. Alors là, je vais faire un tac au tac direct. Il y a eux qui ont signé. Alors c'est le seul amendement qu'ils ont fait en 2008, parce que comme ils ne sont jamais là et qu'ils ne posent pas d'amendement, celui-là, ils l'ont fait par contre. Signé par Gollnisch et les Le Pen, père et mère. Père et fille. Pardon. Lapsus répétitif. Qui dit, très simplement, nous demandons à l'Europe l'accélération des négociations entre les États-Unis et l'Union Européenne sur cet accord transatlantique. Première chose. Deuxième chose, dans toutes les régions, par exemple, Picardie, par exemple, dans Pas-de-Calais, je dis ces régions-là, ou même PACA, où vous avez des élus Front National, ce sont les seuls qui ont voté contre le rejet de dire stop à Tafta. Il faut les mettre en avant. Il faut casser le discours du Front National qui sont en double discours permanent. Si vous avez besoin de ces documents, je les ai. Ne vous inquiétez pas, ils sont sur mon site, je vous les envoie. Dans la présentation sur le positionnement et la mobilisation contre le Front National, et le gros bandeau, c'était non à Tafta. Et ben, c'est quand même ça. Oui, sauf que sur ça, il faut leur montrer à quel point ils sont en permanence dans le double langage. À l'Europe, par exemple, ils ont, durant toute la campagne, ils ont dit on est contre l'Europe. Aujourd'hui, ils disent ah non, on n'est pas contre l'Europe. On est pour changer l'Europe. Il faut montrer sur le fond et avoir des documents pour montrer à quel point les citoyens se font berner. Et ça, on peut en faire réellement la promotion. Moi, c'est ce que j'ai fait dans la campagne et je vous invite à mon atelier. C'est pas mon atelier, je suis invitée par Enzo vendredi matin. Sur notamment comment lutter contre les logiques du Front National, et je vous raconterai ma campagne face à Marine Le Pen durant ces élections-là, et je vous montrerai que lors d'un débat avec Madame Le Pen, parce qu'il ne faut pas dire Madame Marine Le Pen, je ne suis pas sa copine moi, avec Madame Le Pen, ben justement, quand on les attaque sur le fond, ils sont tétanisés. Or, on sait que l'ONU s'est préoccupée de l'Organisation mondiale des télécommunications depuis des décennies. Ne pensez-vous pas que c'est justement une bataille qu'il faudrait mener au niveau où on est en train de négocier TAFTA, c'est-à-dire auprès des organisations internationales, sachant que les réseaux sont déjà mondialisés. Internet, c'est un réseau mondial. Donc il me semble qu'on devrait peut-être essayer de voir quelle bataille mener, en s'appuyant peut-être sur ce qui a été fait en Amérique latine, je n'en sais rien. Mais il me semble qu'il ne nous faut pas nous tromper de niveau et de nous contenter des niveaux où nous pouvons agir parce que nous y avions des représentants. J'avais une autre idée que j'ai perdue en chemin, donc je reprendrai peut-être la parole tout à l'heure. Mais je crois en fait que la question du territoire, et on le voit avec les Européens d'ailleurs, joue un rôle fondamental dans la prise de conscience des enjeux de l'Internet. En fait. Moi je suis depuis 2 ans, pas simplement par intérêt intellectuel, parce que je suis membre de la Commission des lois concernée directement par ces sujets, mais à partir du moment où, en gros, pour aller vite,
la place du village, l'église, le préau d'école, le bourquet républicain ne sont plus à portée de main, on ne joue plus le rôle rituel du brassage ou du passage des politiques. Comment fait-on de la politique avec, dans un territoire de 33 pays, avec des concitoyens à 10 000 km, et qui sont, toutes les enquêtes du monde, d'ailleurs, c'est une des caractéristiques des communautés diasporiques à l'étranger, les Français sont des migrants connectés, très, très hautement connectés d'ailleurs à l'étranger, et de façon très centrale et très horizontale. En fait. Ça s'explique aussi par la centralité de l'État d'ailleurs, parce que l'État français existe même en dehors de ses frontières, contrairement à d'autres États. Donc, pour revenir un peu à ce que dit Francine, c'est-à-dire que quand on n'a pas un territoire physiquement défini ou avec des frontières comme on connaît traditionnellement, on prend son train, on fait son marché, on va voir l'église, les syndicats qui sont à droite et peut-être la sortie des écoles, ben on est confronté à cette façon-là et donc l'Internet devient le territoire dans lequel on fait de la politique. En fait. Tout le machin est pété. Donc je vais parler un peu plus fort. Je voulais donc faire part de cette frustration-là et également la frustration qui est celle d'un militant écologiste face à un parti qui, sur ces questions-là, a une réflexion assez ancienne sur les questions numériques, mais qui en même temps a une pratique finalement assez traditionnelle. Moi, c'est ce que je constate, c'est-à-dire que dès qu'on parle d'information orientale, de sites participatifs, d'espaces collaboratifs, on n'est pas nécessairement plus avancé que d'autres organisations, d'autres mouvements, et moi je le regrette, et je crois qu'à un moment donné, on en est quand même encore au vote traditionnel, en assemblée générale, en isoloir, alors que moi je pratique le vote par internet comme Français de l'étranger, pas simplement par dérogation au sein des Verts, mais également physiquement, les Français qui m'ont élu ont voté par internet, en fait, voilà, donc... C'est une réflexion qui m'a amené donc à avoir vraiment un regard avec beaucoup d'acuité sur ces questions-là. Mais là-dessus, Francine a totalement raison. C'est-à-dire qu'on est en permanence confronté, on le voit lors de la mise en place de cette commission, à ce que l'on pourrait faire et ce que l'on doit faire d'ailleurs au niveau national, et en même temps qui est totalement insuffisant, puisque, on le sait, par exemple là, sur la loi terrorisme, les sites hébergeurs qui pourraient être concernés par... l'article 9, ne sont pas des sites français. Voilà. Les sites, souvent, qui violent nos lois, ne sont pas sur le territoire national, ne sont pas hébergés par des sites français. Donc, cette impossibilité, finalement, de s'attaquer ou d'avoir de l'efficacité réellement, se pose par la nature même du réseau, qui est un réseau mondial, et donc, il faut avoir cette ambition-là. Ça ne veut pas dire que la commission ne sert à rien, ça ne veut pas dire que les résolutions du Parlement ne servent à rien, mais ça veut dire simplement qu'il faut se hisser à un moment donné à la hauteur, au niveau du débat et de la réalité telle qu'elle se pose. Et de ce point de vue-là, je pense qu'effectivement, il faut faciliter, et c'est l'intérêt d'Internet, les échanges, les confrontations. Et moi, une des propositions que je ferai, effectivement, c'est que la commission ne se déplace pas simplement à Bruxelles pour voir les parlementaires européens les plus concernés sur les questions du numérique, mais qu'on puisse évidemment discuter à la fois avec des représentants des Nations Unies sur le niveau de réflexion et d'implication des organes multilatéraux dans la réflexion sur ce que serait une régulation et dans le respect de la neutralité du net à l'échelle internationale, et puis qu'on puisse voir avec les Argentins et les Brésiliens qui sont les plus avancés sur ces questions-là en Amérique latine, quel a été le cheminement qui les a conduits à adopter la loi les garanties nécessaires à la neutralité du net. Voilà, je suis totalement d'accord avec ce qu'a dit Francine. Je pense que quand on n'a pas, même si c'est difficile, quand on a comme seul horizon en fait la frontière nationale, on a
inscrit l'échec dans la démarche qu'on a entreprise. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, il faut le faire, mais qu'il faut viser évidemment la dimension internationale parce que le réseau il existe à cette échelle-là. En fait. Deux petites remarques sur ce qu'a dit Sergio lors de sa première intervention, puis sur ce qu'a dit Francine. Première remarque, je me suis sans doute mal exprimé. Je voudrais quand même rendre hommage aux Brésiliens. Je n'ai pas dit que c'était surprenant, etc. Hein. J'ai dit seulement qu'elle était très longue et constitutionnalisée des trucs. Non. Oui, mais non, mais parce que je veux dire, moi j'ai vécu la période de la dictature militaire, d'abord. Et j'ai suivi, pendant que je faisais ma thèse, la rédaction de cette constitution. Donc je ne trouvais pas ça bizarre. Il y avait une histoire particulière. Ils ont mis 2 ans à coucher de ça, avec une consultation des centaines de milliers de Brésiliens qui ont envoyé leurs amendements. C'était un truc extraordinaire. C'était avant Internet. Hein. Tout ça par le papier. C'était un moment de très grande euphorie avec un congrès brésilien élu de l'ancien régime qui devait faire ça. Enfin, c'était une très belle histoire. La deuxième remarque, c'est sur la loi brésilienne, peut-être que je ne l'ai pas dit assez fortement, mais c'est quand Sergio a commencé à parler du cas français que je me suis dit que je ne l'avais pas dit clairement. Il y a une grande radicalité dans cette loi, il faut le dire. C'est-à-dire que dans la loi brésilienne dit grosso modo la chose suivante, il n'y a aucune limite à l'information qui circule et on ne peut pas la réguler dans son débit, dans son contenu, etc., sauf 2 cas. Évidemment, le cas judiciaire. Avec ces outils-là, on commet un crime. Un délit. Et deuxièmement, le cas qui est envisagé par la loi, qui est assez drôle, c'est les logiciels de contrôle parental. On autorise les parents, mais au Brésil, c'est pas possible de mettre des filtres comme il existe à l'Assemblée nationale. Depuis cette loi. Au Brésil, alors. Bon. Après. Au niveau législatif, ça limite un peu le problème, parce que le problème qui est envisagé par Sergio, qui est de dire dans une loi on permet, dans une loi on a une autre loi on interdit, ça serait possible au Brésil, parce que rien n'empêche le congrès le fédéral brésilien de voter une loi qui mettrait une exception demain. Donc l'avantage de mettre au niveau constitutionnel la radicalité, c'est que ça en peut. Alors maintenant j'en arrive à la question de Francine, c'est évident, bien sûr. Maintenant, on a quand même un problème qui est lié à de ce qu'on sait finalement d'expérience des régulations onusiennes. La régulation onusienne se présente toujours comme une régulation technique. Alors, ça a été le cas en particulier sur la poste, parce que c'est une façon de ne pas aborder la politique. Et même l'OMC, c'est une façon de ne pas aborder la politique. Enfin, on fait semblant. Hein. Les conventions, quand même. Oui, mais à ce moment-là, c'est des choses qui ont une faible légitimité. Enfin, je veux dire. Il n'y a pas de droits fondamentaux onusiens, par hasard. C'est pour ça que je crois qu'en fait, pour moi, quand même, c'est le niveau européen qui serait privilégié. Pourquoi ? Parce que moi, d'abord, je vois derrière ça. Je veux dire, on n'empêchera jamais les Iraniens de couper Internet au moment où on n'y arrivera pas. Bon. Mais attends. Non, je veux dire, si on avait des moyens internationaux de contrôler les atteintes portées aux droits fondamentaux dans le monde. Mais l'avantage de l'échelle européenne, c'est la puissance économique. C'est pour moi, hein, mais peut-être je me trompe, il y a bien sûr des atteintes portées par les États, mais il a des atteintes extraordinairement pernicieuses, peut-être plus longues, dangereuses à long terme, qui sont portées par l'économie multinationale. Et donc, l'avantage d'avoir une vraie puissance, qu'une vraie puissance économique, quand même, comme l'Union européenne, mette des normes, définisse des principes, en particulier, par exemple, ce principe de neutralité, avec des sanctions, parce qu'il faut voir que le système brésilien est assorti de sanctions, et des sanctions relativement épaisses, hein, celles qui sont liées, par exemple, à des pourcentages de chiffre d'affaires des entreprises. Ce qui n'est quand même pas rien. Parce qu'on peut avoir très bien des pays où il n'y a pas de succursale de Google et où n'importe quoi de GD Google. D'ailleurs, on voit voilà, Mais en Europe, compte tenu de ce que c'est que l'Europe, je veux dire, les intérêts étrangers qui développeraient des projets sont obligés d'une certaine façon de s'installer physiquement. Donc je veux dire qu'il y a, je ne dis pas que c'est la panacée, je dis simplement qu'il y a un moment, il faut être utile. Et je pense qu'au niveau européen, alors après, ça veut dire qu'il faut croire
à la vertu, on va dire, civilisatrice ou civilisationnelle de l'Union européenne, pour croire que le projet européen de démocratie peut être aussi un phare, tout ce qu'on veut. Il y a aussi une idée de... Oui, oui, il y a aussi une idée de ça. C'est-à-dire c'est l'idée qu'il faudrait qu'on soit exemplaire. C'est-à-dire qu'on peut aider les autres en étant comme ça, pas nous tout seuls. On voit bien, les Brésiliens ne nous ont pas attendus, les Argentins, les Colombiens, enfin, il y a plein de petits pays, même des petits pays encore, hein, d'Amérique du Sud, qui sont dans l'hyper-innovation démocratique et qui rigolent devant notre vieille culture européenne de la démocratie. Je ne dis pas qu'il n'y a que nous. Mais nous, avec la puissance économique énorme, culturelle, sportive, enfin, tout ce qu'on est, on est pratiquement un champion du monde en tout. Si on était capable d'être aussi les champions du monde dans ce secteur-là, ça aurait, je pense, beaucoup plus d'effets immédiats que d'attendre que les Nations Unies, à travers l'un de leurs organismes, qui existent effectivement, réussissent à aller au-delà que de la définition des normes techniques, en réalité de bonne communicabilité, parce que quand tu regardes les textes des Nations Unies sur les questions de communication, ça porte essentiellement sur les problèmes de la possibilité pour les gens de se parler. Donc des canaux, mais les usages des canaux et le contrôle les contrôles des canaux, ça, les Nations Unies se gardent bien, dans la plupart des cas, hein, les Nations Unies veulent qu'il y ait de la poste qui arrive d'un pays à l'autre, mais n'interdit pas que dans les pays, des gens ouvrent les courriers pour les censurer. Une simple remarque, moi, l'intérêt le principal intérêt à la réflexion qu'a fait Francine, que je partage totalement, c'est, et je ne suis pas en désaccord du tout avec ce que tu dis sur l'incapacité d'avoir une sorte de norme internationale issue d'une instance comme les Nations Unies. Non, c'est la mobilisation à l'échelle planétaire. C'est ça, c'est qu'il y a une société numérique globale. Il y en a une. On l'a vu par exemple au moment de la mobilisation en Turquie, justement parce que la version qui s'était développée au Brésil, c'était la version turque en fait. On a vu, certains ont appelé à une favela numérique en fait, où les Brésiliens et les Turcs échangeaient parce qu'ils étaient en mobilisation en même temps, pas sur les mêmes modes, mais il y avait une forme de fraternité qui s'établit. Donc moi je crois que quand il y a un espace à l'échelle globale, il faut l'occuper. Et ça ne veut pas dire que de manière un peu béate, comme certains croient que l'Europe est tout, que moi je crois que l'ONU est tout. Non, je ne crois pas du tout à ça, je pense. Voilà, on est loin du compte, et que même à l'échelle européenne, je suis d'accord avec toi, il faut le faire, parce que c'est un marché, et les questions se jouent aussi en termes de marché de puissance économique, mais que ce qui m'intéresse à l'échelle globale, c'est que moi je crois qu'il y a aujourd'hui une espèce de démocratie numérique émergente à l'échelle globale, et qu'il faut lui donner corps, qu'il faut l'encourager, et qu'il faut lui trouver des motifs, mode de mobilisation. Moi, je suis totalement d'accord avec ce que vient de dire Sergio. Il faut aujourd'hui ouvrir le débat, justement, au niveau international. Parce que ça inspire certains États, notamment sur des mobilisations par Internet. Et c'est ça qui est extraordinaire. Moi, je me souviens que souvenez-vous, la révolution tunisienne qui commence aussi par justement ces réseaux sociaux qui enflamment l'ensemble de la planète et qui disent « voilà, il y a une révolution qui est en train de se mettre en place, etc. » Ça, ce genre justement d'événements, il faut à un moment faire en sorte que ce soit accessible à tout le monde. Alors oui, il y a des étapes, parce que ça va être très dur cette fois-ci au niveau européen. Ça, il faut le dire, parce que les majorités ont complètement changé. Par exemple, les eurosceptiques, se voir que certains, quand vous parlez des libertés numériques, ils disent « on veut garder ça au niveau national. On ne voit pas pourquoi c'est l'Europe qui touchera à ça. » Donc il va falloir qu'on bouge à chaque échelon. Et moi, j'irai peut-être plus loin pour renforcer l'échelon international, parce que l'Europe, c'est quand même une grande plateforme commerciale. Et il n'y a aucune clause. Donc déjà, on galère pour mettre des clauses environnementales, on galère pour mettre des clauses sociales, et pourquoi on n'inventerait pas des nouvelles clauses? À chaque fois qu'on ferait un partenariat avec notamment un pays, on demanderait justement l'accès à toutes et à tous sur Internet, etc. Et bien ça aussi, une nouveauté, et c'est peut-être nous les écolos qui pourraient dire, eh bien nous aussi on veut ça. Pour l'instant, il faut pousser au niveau européen, mais à nous aussi d'amener Internet, c'est ça
transformation sociale et l'intelligence collective. Et je pense que ces débats-là, et c'est à nous de les lancer. On est bien là, parce qu'on a déjà défini tous ces combats, tous nos combats pour relancer le projet européen et pour définir une démocratie mondiale. Donc, c'est pas mal. On va prendre encore deux questions et puis on va être obligé de ranger les chaises. Je vais être un peu salaud parce que je vais reprendre à bon compte en fait les appels que vous avez formulés tout à l'heure. Il y a des journées d'été et puis les colocamps, des moments assez fabuleux où on lance plein d'appels, on se sensibilise et on va très loin. Et il y a tout au long de l'année des commissions thématiques et qui aujourd'hui ne fonctionnent plus très bien pour plusieurs raisons, mais notamment le fait que moi j'appartiens à la commission culture et à la commission partage 2.0. Sur la commission culture, il y a un projet de loi en discussion sur la loi de création, ça c'est du côté de la culture, on n'a plus de contact avec les élus. Alors, c'est pas de chance, c'est la commission culture, on avait deux élus qui se mobilisent bien avec nous, c'était Isabelle Attard et Marie Blandin, qui ont toutes les deux quitté le parti. Voilà, mais c'est dommage parce que du coup, on a un groupe à l'Assemblée et un groupe au Sénat, voilà, mais... la commission culture, voilà, mais partage, oui mais partage 2.0, c'est pareil. On a un secrétaire de commission qui fait le boulot un peu tout seul. Les élus ne sont plus dans les commissions. Alors, c'est vrai que si les élus attendent que les commissions soient hyper dynamiques pour y revenir, ça se mord un peu la queue. Je pense que c'est aussi à votre rôle d'aller chercher les militants parce qu'ils pensent que vous ne pensez plus à eux, alors qu'en fait, vous consacrez... Et je sais que Karim Adali a fait énormément énormément d'efforts à parler de ce que vous faites là-bas, mais il faut aller les chercher avant d'avoir fait les choses, parce que sinon ils ne sont pas concernés. Voilà. Je suis d'accord avec toi, mais c'est super difficile au fait. Parce que le but, c'est qu'à un moment, les militants viennent aussi au Parlement européen, ou viennent à l'Assemblée, ou viennent au Conseil régional, etc., pour nous aider, pour nous dire sur tel et tel projet, on a besoin de vous, etc. Parce que nous, parfois, on est tellement submergés par énormément de projets, énormément de choses, etc. On a besoin de vous pour que vous nous retiriez des institutions en disant bah, sur tel point, tel point, tel point, bah, sortez des institutions et mettez-nous un peu sur le terrain et dans les mouvements et on a besoin de vous. Donc c'est pas seulement nous, hop, chez les militants dans les commissions, etc. Mais c'est vous aussi, justement, le fait de, hop, venir nous chercher, nous mobiliser parce que parfois... Et ça, et bien, il faut nous interpeller. Et moi, durant 5 ans, j'ai fait ça. J'ai demandé qu'on m'interpelle à chaque fois. J'ai essayé de faire en sorte... Quand on me demande une invitation, etc., je viens, je fais de la pédagogie sur l'Europe pour dire comment ça marche, comment on fait ça, etc. Mais n'attendez pas. Venez nous chercher. Il faut secouer les élus aussi, à un moment. Voilà. Et remplacer le bouche par le clou. Ouais, moi je voudrais revenir sur l'accès public, l'accès pour tous à Internet, qui excusez-moi, on est parti un peu loin de ça, mais j'avais juste une question là-dessus. Je comprends pas qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, l'État français soit obligé de fournir la télévision et la radio à tous ses citoyens et pas Internet. C'est juste hallucinant que ce soit pas. Qu'est-ce qu'on attend pour faire cette loi ? Et aussi. Au passage, alors généralement quand je parle de cette idée, les gens éclatent de rire. Et du coup j'ai jamais eu une vraie réponse et j'aimerais bien qu'un jour on en discute avec entre écolos parce que je pense que c'est une idée dont on peut discuter. Un réseau public d'internet filaire. Personne ne dit bien ça. Est-ce que c'est une bonne idée? Je suis pas sûre, mais peut-être. Un réseau, pourquoi on cherche à refaire de la croissance? Pourquoi est-ce que juste on finance pas de tirer des fibres dans chaque maison de France? Je suis très naïve. Hein. Et si la fibre c'est vraiment pas une solution réaliste, peut-être le wifi, mais vous avez des là-dessus sur le problème de santé. Enfin, voilà, est-ce qu'on peut discuter de ça entre écolos et voir au niveau de l'État et voir au niveau de l'Europe? Écoute, je j'ai pas du tout la réponse, mais je connais un réseau public. C'est le réseau des universités. Toutes les universités, les centres de recherche sont sur un réseau public à haut débit, filaire, gratuit. Donc l'État est capable de mettre en place des systèmes très performants, visiblement d'après les gars
tout le monde en parlait, moi, techniquement, je ne sais pas ce que ça veut dire. Eux, ils disent que c'est super bon, le débit est fantastique, etc. Et c'est vrai, je constate qu'à mon bureau, c'est boum, comme ça, et puis chez moi, et pourtant, j'ai le truc le plus cher que je paye, que ce soit au débit, théoriquement. Bon. Mais effectivement, je pense que c'est une vraie question, ça. Je n'ai aucune idée. Peut-être que ça pose plein de problèmes, je ne sais rien. Bon. Après tout, le téléphone, il n'y a pas de téléphone. Je veux dire, on n'a pas tous. Il y a un accès universel au téléphone, mais il ne veut pas dire nécessairement que, qu'on ait le téléphone gratuit. Alors, je ne sais pas du tout ce que ça représente économiquement, mais effectivement, ou budgétairement, je sais que c'est extrêmement cher pour l'université. Hein, c'est bien. Mais je pense que c'est effectivement une vraie question. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je reviens un tout petit peu sur une idée que j'avais dit tout à l'heure, ce qui me semblait une des questions importantes au-delà de la législation, c'était la discussion sur les biens communs. Est-ce qu'on ne va pas rentrer dans une société où ça va devenir comme l'eau, l'air, n'importe quoi, mais ça sera un élément tellement structurant des sociétés, l'accès à l'information, que finalement, on ne pourra plus laisser cet accès, je ne dis pas les contenus, je dis l'accès même au marché. Et effectivement, je crois, c'est pour ça que moi, j'aimerais bien qu'on pose la question de l'Internet aussi là, parce que je pense que le problème du marché, le problème du droit de propriété des choses, et éventuellement la question que tu posais tout à l'heure, sur le fait qu'il y ait des fabricants qui aient la mainmise sur ton propre appareil, toutes ces choses-là, je pense que c'est des questions vraiment fondamentales du vrai 21e siècle. C'est-à-dire qu'il me semble que là, on est en train de rentrer dans... je vais le dire très vite, je suis désolé, c'est un peu caricatural, mais, et puis que ça arrive en fin de soirée comme ça, mais moi, je crois que nous vivons dans toutes nos institutions politiques sur des façons dont on a pensé le monde au 18e siècle. Dans les formes de temporalité, de penser la démocratie, etc. Là, il faut qu'on arrête. Là, on a épuisé ce modèle qui a été extrêmement efficace. Il ne faut pas oublier, il nous a permis de sortir de plein de choses, de construire des formes d'émancipation de l'homme et de la femme, etc. Je veux dire, c'est passé des choses très importantes depuis. Bon. Mais je crois que là, il va falloir repenser vraiment des fondamentaux de chez fondamental. Ce n'est pas le problème du libre accès. Hein. C'est de façon plus large. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi nos besoins pour vivre? Si nous définissons dans nos besoins pour vivre effectivement quelque chose qu'on appelle aujourd'hui Internet, bon, et qui pourrait prendre d'autres formes demain aussi, et à ce moment-là, la question que tu poses, elle me semble être absolument fondamentale. Et elle doit être posée comme ça. Alors je n'ai aucune réponse, mais comme ça, spontanément, comme citoyen, je ressens vraiment fortement la pertinence de ce que tu viens de dire. Moi, j'ai une réponse. Au niveau européen, moi, j'étais rapporteur de la plateforme de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Et justement, il y a eu la réflexion sur Internet. Parce que toutes les personnes les plus pauvres qui n'ont pas accès à Internet, on s'est rendu compte qu'elles s'inséraient moins, notamment dans la recherche de l'emploi, dans la recherche d'une formation. Et souvent, elles ont peur, par exemple, d'aller dans une maison ou un centre social pour juste ouvrir la porte et dire « je vais me mettre sur Internet pour chercher ». Parce qu'il y a une espèce de forme de honte. Il y a une espèce d'humiliation. Et donc il y a eu toute une réflexion, et c'est en cours actuellement au Parlement européen. Et il y a des expérimentations en Europe sur l'accès gratuit, notamment aux plus pauvres, d'Internet. Parce qu'il y a ce volet d'insertion sociale et de ne pas être coupé de la société. Je sais par exemple, je crois que c'est dans les pays du Nord, où ils ont fait des expérimentations notamment avec des sans-abri. Les sans-abri, par exemple, souvent on les considère comme les marginaux coupés du monde. Donc ils ont commencé une expérimentation avec des radios, ça ne marchait absolument pas. Mais tous les jours, on leur a dit dans leur centre d'hébergement, on vous met Internet. Et là, ils ont redécouvert le monde, en fait. Parce que justement, ils n'avaient pas cet accès ouvert à quelque chose qu'ils n'avaient jamais eu droit. Et ce qui leur a permis aussi de découvrir des passions, des loisirs, des intérêts qui forcément n'avaient pas dans leur première approche un lieu. Donc cette réflexion-là, c'est une réflexion qu'on a au niveau européen. Voilà. Je voulais dire une chose par rapport à la dame. C'est qu'il y a deux villes à ma connaissance, deux villages, deux groupes, qui ont un réseau municipal de télécom, qui ont pris la compétence télécom. Un village, une ville peut prendre la compétence télécom et distribuer l'internet. Parce que là, ça devient quelque chose de citoyen. Après, ça dépend de la commune. Mais... C'est un des grands sujets.
apporté l'an dernier. Parce qu'il y a le département de l'Ain aussi, je vous invite à aller voir dans le département de l'Ain, ça s'appelle l'Internet, c'est en syndicat de communes, et dans tout le département, ils sont en train de mettre la fibre. Et ce qui est pas mal, c'est que c'est pas entre oulala étatique ou à l'opposé hyper privé. En fait, c'est une fibre qui est gérée, qui est publique, mais toutes les PME qui veulent venir FAI, peuvent fournir Internet sur cette fibre. Donc c'est une fibre publique, mais ouverte aux entreprises privées. Donc ça fait un mix des deux, et c'est très intéressant pour les gens. Je peux me permettre de rajouter un truc qui n'a aucun rapport mais qui est un peu lié, c'est que j'ai fait une présentation pour les élus du numérique en Dordogne. Et j'ai parlé du gâchis d'électricité que représentaient les 22 millions de box qui sont connectées. D'après mes calculs, ça représente une centrale nucléaire et tout. Il faut savoir qu'une box pourrait irriguer sans problème 5 ou 10 foyers suivant le débit qu'elle protocole. Moi, je partage ma box avec 3 de mes voisins et ça marche très bien. C'est vraiment un gâchis pur d'électricité si on est capable de faire valoir ça. Mais tout nous dissuade, notamment cette histoire d'Adopi et de responsabilité, parce qu'il ne faut pas partager, il faut avoir un truc et c'est pareil pour les instruments. Tout est. Je voudrais rajouter un point de détail, c'est que l'année dernière, merci les invités. Oui, je voudrais rajouter un point de détail, c'est ce que vient de dire notre ami, là, tout de suite. Ça a déjà été dit l'année dernière à Marseille, c'est vu, et que ça a été beaucoup plus développé qu'aujourd'hui, parce que ça vient simplement d'être évoqué. Mais ça a déjà été dit l'année dernière à Marseille, j'ai l'impression qu'on est rétrograde. Tout le monde n'était pas l'an dernier à Marseille, effectivement, c'était une grande question. On avait des gens de FDN qui étaient là et je vous invite à les regarder. Sur les questions d'accès en général, il y a un rapport très intéressant qui est sorti cette année, donc ça c'est, on ne pouvait pas l'avoir l'an dernier, sur la e-inclusion par le Conseil national du numérique. C'est ultra intéressant à aller regarder et vous pouvez les documents à côté. Et voilà, je pense que c'était un débat intéressant. L'abord n'était pas simple de partir par un côté juridique. Je voulais vous dire aussi que la quadrature du net, vous connaissez tous certainement le nom, au moins Jérémy Zimmermann. Jérémy Zimmermann n'est plus porte-parole de la quadrature du net, mais parce que justement il a voulu partir en Amérique du Sud, voir ce qui se passait. Et il allait rencontrer les gens là-bas pour essayer de créer un début de réseau international, certainement pour lancer des choses un peu plus grosses. Donc ça va revenir. Ça va revenir tout ça très fort, très vite. Et donc on a bien compris qu'il fallait solliciter nos députés pour activer les commissions. Et on ne va pas hésiter à le faire. Et prêter main forte aussi, parce que nous on a besoin de reconstituer des forces militantes qui ont la patate. Les journées d'été c'est fait pour ça. Et dans 3 jours on aura tous le moral au top. Plus que ce matin. Et voilà, non, je pense qu'on part quand même. Donc je voulais remercier vraiment vous trois d'être intervenus sur ce sujet pas facile et un peu au dernier moment en plus. Je remercie notre ami Vladimir Défioré à distance. Je remercie Fernando Mori, qui a eu l'idée de soumettre ce sujet-là et qui était une très bonne approche. On a vu que ça soulevait tous les problèmes en même temps. Qu'on a réussi comme ça à parler de tous les niveaux d'intervention, depuis la France jusqu'à l'Europe et au monde entier, avec TAFTA, et ça recroisait tous les sujets de ce matin et de cet après-midi. C'était pas facile, mais on y arrivait, je trouve. Je pense que j'ai bien pensé. C'était bien. Malgré le concert d'Europe qu'on a raté à côté. On va applaudir les organisateurs.